Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur The Last of Us Part 1 avec l'épisode 17, comme d'habitude, 4K, 60fps, posez-vous tranquillement au calme, éteignez les lumières, un petit truc à boire et à manger, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble et souvenez-vous que Ellie m'attendait à l'étage, évidemment, elle s'était échappée et ce fut terrible, évidemment, ce qu'il s'est passé. Allez, let's go. On y va. On y va, on y va. Je ne sais pas s'il y a une cinématique ou autre. Je pense, je suppose, je suppute. Bon, déjà, il n'y a personne ici. On va pouvoir peut-être fouiller une BD. Ça, je prends, évidemment. Savage Starlight. Ok, on va retourner. Comme ça, je vous laisse lire le petit speech. C'est Zero Point. Voilà. Suprastatique. Je voulais... Oh putain, j'ai fait très très vite. Je suis désolé. Si vous devez revenir en arrière pour mettre pause, c'est terrible. Oh, beau setup ça, hein. Beau setup. Hein. Ok, il y a des toilettes qui relient deux chambres, ok, pourquoi pas. Cette chambre est très très glauque. Qu'elle soit pleine de poussière ou pas, elle n'inspire pas confiance. Ok, on a ici un petit ruban. I take it. Ok, je rappelle qu'on est full hein, niveau stuff. Regardez, regardez les petits effets en l'air, les particules partout, c'est incroyable. C'est incroyable. La poussière dans l'air, c'est fou. Ok, elle doit être sûrement ici, je suppose. Et on va aller fouiller là-haut. Oh non. Elle est peut-être pas ici. Alors attendez. Attendez, j'ai pas envie de louper quelque chose qui peut être cool. Mais alors là, ça va, on va se la jouer mystère. Hein. Ok, une salle de bain. Très bien. Le move était correct. Yes, je prends. On est rempli, on est full. Bon. Là, j'ai une chance sur deux. Je dirais qu'Ellie est au bout du couloir. Ok, une autre salle de bain. Avec rien dedans cette fois-ci. Dommage. Let's go. Elle se souciait vraiment que de ça. Les garçons, les films. Décider quel haut mettre avec quelle jupe. C'est bizarre. Lève-toi, on y va, allez. Et si je dis non? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes? Hein? Pour t'enfuir comme ça, mettre ta vie en danger, c'est vraiment pas malin. Ouais, bah je suppose qu'on est tous les deux déçus l'un de l'autre, alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début. Tommy connaît ce coin mieux que personne. Ok, désolé, mais j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même. Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur? Que je finisse comme Sam? Je peux pas être infectée. Je peux me débrouiller toute seule. Combien de fois on a failli y passer? Eh ben, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et maintenant, tu t'en sortiras encore mieux avec Tommy. Je suis pas elle, tu sais. Quoi? Maria m'a dit pour Sarah... Ellie. Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sauf... Sauf toi, merde. Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Alors il est grand temps de se séparer. Préparez-vous, on n'est pas seul. J'en ai deux en approche. Et il y en a encore plus à l'intérieur. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est dur, c'est dur. Ma pauvre Ellie. Ok. On peut tenter ça, on peut tenter ça. Il y a un monde où ça se tente, les amis.
suis cramé. Je tiens. Je suis cramé. Ah ! Mort. Désolé. Ok. Tommy, tu m'as fait chier dessus, putain. Reste derrière. C'est nouveau, ça ? Ok. Deux ici. Ok. Un là, un là. Oh là là, ce pré-shot. Wouh! Ok. On s'en est pas si mal sorti que ça. C'est bon. C'était pas fou non plus. Personne. Ok. On va se soigner au calme. Très bien, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. On a failli passer hein, avec ces histoires. Malheureusement, on a été interrompu. Oh, j'avais pas vu cette pièce. Oh, il faut y passer à côté de cette petite dinguerie là. J'aimerais bien augmenter encore la santé en vrai. Maîtrise du surin, putain, je trouve pas ça ouf. Hein. Je trouve pas ça ouf. Hein. Je tombe pas trop dans les trades de Clackers. On fait quoi, on y va? Allez, go. C'est bon. Tu veux de l'aide? C'est bon. Les amis, voilà. La ville de The Last of Us 2, il me semble. Les gosses vont regarder des films ce soir. Là où tout se passait après, là où on habitait. À l'extérieur, à l'université de l'Est du Colorado. Allez, les bigorns. Ellie, descends de ton cheval. Rends-le à Tommy. Je vais garder celui-là si ça te dérange pas. Allez, m'oblige pas à répéter. Qu'est-ce que tu fais? Ta femme me fait un peu peur. J'ai pas envie d'avoir affaire à elle. Désolé d'avoir volé le cheval. Écoute, reviens en ville, qu'on en discute au moins. Tu me connais, je suis têtu. L'université de l'Est du Colorado. Et où je le trouve, ce labo? Dans le bâtiment des sciences. On dirait un miroir géant, tu peux pas le louper. Prends bien soin de ta femme. Il y a une place pour toi ici, tu sais. T'es prête? Je suis prête. Adios, petit frère. Allez. Bon, dis-moi si j'ai bien compris. Si on foire au quatrième essai, alors on donne le ballon à l'équipe adverse? C'est ça, c'est un turnover. Et si on atteint les 10 yards, retour au premier essai? Première tentative, c'est ça. Oh, tu parles d'une prise de tête.
Il suffit d'un ou deux matchs pour bien comprendre les règles. Ah, c'est à moi de jouer, des barres. Ok, bon. On est donc à l'université. J'avais totalement oublié à quel point, au début de leur relation, Joël était aussi, comment on peut appeler ça, aussi froid peut-être, rigide, je ne sais pas, envers Ellie. Et c'était très touchant. Ce bâtiment ressemble pas à un miroir. La cinématique. Bon, on va sur la place centrale. On devrait avoir un bon aperçu du campus. Ok. Sacré campus, hein. C'est par ici la place centrale, je dirais, je sais pas. C'est pas du tout ici. Ah, si. Allez. Ok. Allez. On est... Oh. C'est un bélier géant. En fait, c'était comme un genre de culte. Tu parles du sport. Tu l'as dit. Y a peut-être des trucs à checker derrière. On va faire un petit tour quand même. Ça mange pas de pain, j'ai envie de vous dire. Et je crois qu'on ne peut pas descendre du cheval. C'est pas comme dans The Last of Us 2, on n'a pas trop de liberté à ce niveau-là. Mais bon, on va faire un petit tour au cas où. On sait jamais. On peut peut-être check une petite interaction qu'on aurait déjà pas fait à l'époque. Ok, y a rien. Dommage. Dommage, 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 dommage. Oh! Attends, comment c'est possible? Mais si on peut descendre? Reste voilà, ici, Durillon. Puis franchement, c'est pas un nom, quoi, Durillon. C'est toi qui as oublié de demander son nom à Tommy. Durillon. D'accord. Ok, ok, donc on peut bien descendre. Bah écoutez, ça vaut peut-être le coup d'aller checker à gauche à droite. Il me semble que j'avais tracé. Il me semble qu'on pouvait pas descendre en fait. Je me suis totalement usurpé. Totalement trompé. Donc je suppose qu'à droite, on peut descendre. Je me disais, je trouve ça bizarre parce qu'il y a des coins où tu peux rentrer, tu vois, à l'intérieur. Ok, bougez pas. Je reste avec Durillon. Je déteste ce nom. Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Peut-être de quoi utiliser des seringues, je sais pas, des sortes de caches, non? Oh. C'est la suite de notre aventure là-haut ou qu'est-ce qui se passe? On va s'en... Waouh! Attends. Il y avait un lance-flamme! Mais incroyable. Mais attendez, mais depuis quand? C'est totalement fou. Ok, rien à faire dedans pour l'instant. Il y avait un lance-flamme. Je l'avais débloqué dans l'aventure précédente ou pas? Mais c'est incroyable. Machette. Après, avec un petit peu de scotch, je peux me régaler aussi. Donc, la machette est certes contendante, mais elle peut le one-shotter 3 fois. Il y a moyen qu'avec la barre à mine, vu que je peux donner bien plus de coups, je peux tenter quelques autres moves supplémentaires, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Très bien. Bon, on a fait le tour pour rien. Ah ! Attends, vraiment ? Bah, y a forcément quelque chose alors, je peux pas... Je conçois pas qu'on puisse monter pour si peu, si. Ah... C'était un poste de surveillance. Ah... Alors... rien, toujours rien, entrée de 5 recrues, ok, retourner... sortie, entrée, sortie de 3 docteurs, sortie de 2 recrues, très bien, donc c'était... Un poste de surveillance. J'ai failli sauter. Mauvaise idée. De toute façon, on peut pas, je crois. Ok, ok. Bon, bah écoutez, ça valait un petit peu le coup. On a récupéré quelques munitions. Je sais pas trop comment ça marche encore, à quoi ressemblent les munitions de lance-flammes.
On verra ça un petit peu plus tard quand on en trouvera. Je crois que j'en ai peut-être trouvé là, non? Je sais pas. Non, j'ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé. Allez, du Rio. Allez. Si j'ai bien compris, les gens habitaient ici et étudiaient, alors que c'était des adultes. Ouais, étudier, faire la fête, découvrir qui ils étaient, trouver ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Alors... Là-bas, c'est ça? C'est vrai qu'on dirait un miroir géant. Ok. Hop, 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 hop. Du rayon, du rayon. Encore toi. Ça, je prends. On en a pas. Il va y avoir du fight ou quoi ici? Et là, on peut rentrer à gauche. Très bon, ça. À droite, il y a quoi? À droite, il y a rien. Bon, bon, écoutez, on va prendre notre temps. On va tout visiter tranquillement. Hein. On est bien, on a le time. Hein. On a le time. Viens, Bichette. Elle peut rentrer, là? Avec le valcheux? Attends. Ah, j'ai cru qu'on pouvait ouvrir un casier. Tu crois qu'ils sont très nombreux? Je parle des lucioles. J'imagine qu'il faut du monde pour une telle opération. Tu crois qu'il y aura des gens de mon âge? J'en suis pas sûr. Ok. Rien à ramasser. Ah, on dirait du scotch. C'est du scotch, mais pas ramassable celui-là. C'est du scotch qui a séché, frérot. Ok, let's go. Wow, oh, qu'est-ce que... On dirait des coureurs. Reste avec le cheval. Je vais... Ah! T'es sûr? Oui, je veux pas qu'il s'échappe. Je reviens tout de suite. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Très bien. Très bien. Quelqu'un a réparé ce truc, on dirait. Nous avons dû relier la porte au générateur à l'étage. Merci de l'utiliser avec parcimonie. Nous n'avons presque plus d'essence. Pas de... Évidemment. Évidemment, bon. Comment on va faire? On va devoir tous leur casser la gueule, hein, pas le choix. Hein. Oh la vache. Ok. Oh merde. Ok, qu'est-ce qu'il y a? La loi, c'est moi, mon pote. Ça, c'est fait. Ouh. Bon, bah, on sait à quoi... Pardon. Tu sais, je me disais... J'aurais voulu être astronaute. Sérieusement? Ouais. Ah! Est-ce que tu t'imagines tout seul là-haut? Souvenez-vous de The Last of Us 2, bordel! Ok. Souvenez-vous de The Last of Us 2 quand on visite, je crois que c'était un musée de l'astronomie justement. Et il rentre dans une fusée, il papote et il lui passe une cassette audio. Oh là 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 là, mais en fait, mais tout se relie, c'est exceptionnel là! Quel bonheur! Ok, là on n'a plus rien. On aurait pu tout faire en silencieux. Ah, trop tard. Ça dégage. Il n'y aura pas de silencieux ici, ok? Ok, on va passer par ici. Il n'y a rien? Il n'y a strictement rien. On repasse derrière, donc vous aurez compris, il faut rallumer le générateur. Attends. On va suivre le câble. Comme de bons enfants. Voilà. Ça aurait été dommage de passer à côté. Alors. Let's go. Il y a très peu d'essence, hein, oubliez pas.
On va aller checker de l'autre côté. Peut-être des petits trucs à ramasser, des petits bonus. Parce que j'adore les bonus. Strictement rien. À quoi ça servait d'aller ici? Vous croyez que c'était pour une petite phase, genre tu voulais te la jouer snipers? Oh, regardez le nombre de cadavres. Par contre, je peux vous dire que le fusil à pompe, bordel, ça carie. Hein. Let's go! Eh, viens, Luigi. Et toi, tu voulais faire quoi? Ah. Bah, quand j'étais gosse, je rêvais de devenir... chanteur. Tu déconnes. Je suis sérieux. Chante un truc. Ah non. Allez, je rirai pas. Même pas en rêve. Joël, s'il te plaît. Allez, repasse le cheval. Ça me paraît bien long, cette histoire. Allez, file. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Et, pour tous ceux qui se souviennent, évidemment qu'on va chanter quelque chose à Ellie dès le début de The Last of Us 2 avec un petit morceau de guitare. On va même lui apprendre d'ailleurs à jouer de la guitare. Allez. Ok, let's go. En route. Oh, c'est des singes. Ouais, et il y en a un paquet. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, il y a tellement de trucs à visiter. Les amis, j'avais tellement oublié tout cela. Terrible. Ok, allez. Hop, 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 hop. Attends-moi là. Je reviens tout de suite. Attends-moi là. Ok. Y a rien. Mais attends, je sais... J'ai l'impression que je suis passé à côté d'un truc de ouf. Les amis, est-ce que certains se souviennent s'il y a 9 ans on a visité tout ça? Vous vous souvenez? Aucun putain de souvenir, vraiment. Attends, je peux pas admettre qu'il y ait rien du tout. Il y a forcément quelque chose, non? Ah, bah oui, ils peuvent pas faire une cage d'escalier pour qu'il y ait rien, tu vois. Ok, c'était une planque. Ok, ça me plaît, ça. Évidemment que ça me plaît. Ça, oh là 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 là, mais ça, j'ai pas de souvenir. Hein. Ce manuel, ça me plaît. Alors, lire. Efficacité accrue des premiers soins sur le terrain. La stérilisation est essentielle pour une meilleure efficacité. Très bien. Et donc, les kits médicaux sont désormais 67% plus efficaces. C'est très précis. C'est très 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 précis. J'ai l'impression d'être limite une machine de guerre maintenant. Oh, oh, de l'autre côté. Ok, j'avais pas vu ça. Bon, c'est pas grand chose, mais bon, c'est des petites pièces qu'on prend à gauche à droite avec plaisir. Eh ben écoutez, ce fut exceptionnel. Let's go, merci à vous. Est-ce qu'on peut descendre ici? Oui. Allez, on remonte. Allez, va-t'en. Ok. Là, il n'y a plus rien. On va aller check de l'autre côté. Les lucioles. De l'autre côté, il y a peut-être quelque chose. C'était vachement cool. Première fois que tu vois un singe? Ouais, c'est la première fois. Bah après j'avoue que c'est censé être un peu rare hein, quoi maintenant. Hein. Si t'es jamais sorti d'une ville, pas de raison de voir de singes spécialement dans la ville. Je me demande si Fontaine y a pas quelque chose quand même, parce que ça me paraît être un beau monument. Le genre de truc qu'il faut aller checker par exemple, tu vois. Rodriguez. Attends. Je suis désolé, c'est plus fort que moi. Je veux dire, ça serait le truc presque idéal d'y planquer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Eh bien, non. Va-t'en. J'ai essayé. On peut pas m'en vouloir. Ok. On va donc passer par ici. On a fouillé ce qu'on avait à fouiller. Hop, hop, hop. Ouais, j'ai vu.
Cool. Enfin une trace des lucioles. Ok. Toujours le même bélier. Un bus qui bloque. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens. Attends. Ça m'a l'air presque ouvrable, non? Je me trompe, je regarde. Non. Là. Oh. Allez, oh. On va essayer la porte. Oh. Toi aussi. Oh. Yamete. Oh. Yamete. Putain, j'avais vraiment aucun... Ce jeu est un chef-d'œuvre, les amis. Vous savez, je pense qu'il y a 9 ans... Moi-même, il y a 9 ans, je suis passé à côté de ce chef-d'œuvre. Vraiment, je vous le dis. Là, tout se dégoupille, je comprends beaucoup mieux, c'est exceptionnel. Oh putain. Ça va être compliqué, ça. En haut, on se fait fracasser. Ok. Très bien. Eh ben, on va aller en haut. On va voir si on se fait fracasser aussi. J'ai eu peur. Ok. En fait, le jeu, c'est tellement bien géré les petits moments d'accalmie. Oh, j'ai eu peur. Je me chie dessus à l'idée d'ouvrir la moindre porte, ça c'est beau. Ok. L'endroit idéal pour cacher un petit easter egg, par exemple. Oh, il y avait été. Excellent, ça. Oh. Oh. Allez, un coffre, peut-être. 9 mois d'attente et toujours rien, aucune nouvelle de qui que ce soit. J'ai trouvé quelques boîtes de conserve au réfectoire. On n'ira pas loin avec ça. Il y a eu un incident à la barricade S, mais tout est sous contrôle. Le 31, j'ai aperçu un groupe de ces trucs qui passaient par là. L'un d'eux ressemblait à Aether. C'était peut-être elle, putain. 10-2, les piles commençant à faiblir, ils n'écoutent plus la radio qu'une fois par nuit. Moi, j'ai laissé tomber après la dernière transmission. Ça fait 3 mois, bordel, à quoi ils s'attendent? 25-2, chérie, elle a fumé un joint hier, soi-disant qu'elle en avait besoin, elle s'est énervée quand j'ai balancé sa cam, elle ne comprend pas, il faut qu'on garde les idées claires. Quelqu'un va devoir aller en ville chercher des provisions, ce sera sûrement moi. Je me demande combien de temps ils ont tenu. Pas très longtemps, hein. Ok. Très bien. Attends. Dommage. Le scotch est la ressource sûrement la plus rare, je pense. Mais ils étaient bien ici en vrai, hein. C'était stylé. Hein. Oh. Il y avait été. On prend. Ok. Oh. On prend. Qu'est-ce qu'on a là? Une poubelle en plein milieu des toilettes, très bien. Ok. Ah, dommage. Oh merde, des sports. Oh non. Oh non. Oh, les problèmes. Pas des sports là, c'est des sports 2000, frère. Ok.
Pas facile. Oh, c'est tentant. Ça peut sauver, les gars, je vous le dis. Ok. Bien. Sur un suivant. Ouh ! Allez, on va finir cette phase évidemment. Oh non. Ok. 2. On va s'occuper de lui. Très bien. Lui, c'est un gros, lui, non? Je pense qu'on l'a plutôt bien géré, à mon humble avis. On va se refaire ça. On va se refaire ça. On l'a très très bien géré. On l'a très très bien géré. Et d'ailleurs, on va se refaire ça en plus, hein, sur un APT. Hein. Rien à péter. On l'a géré à merveille. J'oublie toujours cet arc. Hein. J'oublie toujours cet arc. C'est terrible. Mais finalement, pas spécialement besoin. Voilà, on fait ça. Nous, on est des vrais soldats, les gars. On fait. Oh, j'avais pas vu ça. Oh, Yamete. Oh, encore. Très bien. Très, très bien. Eh ben, on est bon. On est bon, on est bon. Ah, oh, on a bien géré, je suis pas peu fier. Là, il y aura sûrement un beau bonus, quelque chose, une pièce, peut-être, je ne sais pas. Ok. Alors, du papier. Du paper. Ok. Une bouteille. Oh, une PlayStation 3. Incroyable. Oh. Oh, vous avez vu? Regardez. Jack and Dexter's. Et Nathan Drake. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ok, faut tabasser la touche. Ah bah non, moi je voulais finir de visiter mon couloir, mais enfin bon. Bah écoutez, presque envie de vous dire, on va s'arrêter là. Ok, c'est pas du tout ce qu'il y a. Hein. Totale découverte. On va fouiller quand même un petit peu. Très bien, une note. On va s'arrêter là, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, on se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure, et c'est l'armée américaine qui rappelle ses équipes de recherche évidemment, je vous invite à lire, n'oubliez pas encore une fois, bah, le petit like, ça fait toujours plaisir, ça vous prend 2 petites secondes, mais croyez-moi que ça régale, gros bisous, à bientôt tout le monde, portez-vous bien, et à demain pour la suite de nos aventures, bisous, bye bye.